Solidaire d'abord, un solidaire d'abord spécial sur la culture. Alors, on va parler culture, on va parler évidemment du financement, de la politique, des politiques culturelles, mais on va aussi parler des acteurs, puisqu'on est plusieurs autour de la table à être acteurs culturels, passés ou futurs, on va dire, voilà. Comment faire sa place dans le milieu de la culture, tout un ensemble de choses, quelles sont les politiques publiques, quel est l'avenir de la culture. Enfin bon, voilà, je vous laisse vous présenter, voilà, si tu veux, Yann. Alors moi, c'est Yann, je suis technicien du son, je travaille avec Nat Averne, Baptiste Dupré, Léni Flûte Insoumise, enfin des petits groupes locaux. D'accord. Et tu arrives à... C'est assez difficile en ce moment. Surtout en ce moment. Ben ? Benoît, oui. Ben, moi, je suis membre fondateur de La Bobine. Voilà. J'ai un titre perso. Je ne représente pas l'association La Bobine, là, aujourd'hui en tout cas. Hein. Ouais. Voilà, donc on essaie de se débattre avec ces problèmes de fermeture, hein, parce qu'à part quelques concerts cet été, ça fait bientôt, enfin ça fera un an bientôt que voilà. Toi, tu es acteur culturel depuis très longtemps, j'ai pas demandé à Yann, mais je vais lui redemander, et ça fait très longtemps que tu es dans ce milieu-là. Ah, j'ai toujours bossé dans ce milieu comme intermittent, déjà comme technicien essentiellement, hein, donc au cinéma, à la télévision, comme monteur, cadreur, opérateur, etc. Puis j'ai toujours fait beaucoup de, essentiellement du son, la lumière et du son de spectacle. D'accord. Et maintenant, j'essaie de gérer cet outil, la bobine, quoi. Donc avec tout ce que ça veut dire, et y compris sur le plan technique. Et toi, Yann, alors, ça fait longtemps ? Ben oui, ça, juste après la fac, en fait, je me suis lancé. J'ai fait des petits boulots à droite à gauche, bossé avec des petits artistes de variété, fait des petits festivals, genre de choses, quoi. Ouais. Et toi, Johan, alors ? Eh ben moi, au début, mon accès à la culture, c'est vraiment faire la musique. Du coup, j'ai été musicien de rue pendant un moment, notamment à Bonnat et puis ailleurs. Et sinon, j'ai fait partie des Fous Semblants. Et là, j'ai vraiment fait un gros arrêt de tout ça. Et du coup, je m'intéresse beaucoup aujourd'hui à la culture au sens large, notamment la permaculture, donc le côté voilà, culture agricole, les peuples traditionnels aussi, les peuples premiers, du coup, oui. Qui sont vraiment des cultures qui sont vraiment qui viennent de complètement d'autres visions du monde, quoi. Et puis, notamment aussi à l'artivisme, c'est donc l'activisme par l'art. Notamment le clown, et comment l'art il peut être un outil pour de transformation sociale. Ouais. Alors, il y aura une citation de Franck Lepage à lire dans quelques secondes, mais avant, choisissez qui c'est qui la lit, je ne sais pas. Je voudrais juste faire un tout petit clin d'œil aux intermittents qui sont vraiment dans des situations très graves, et à un endroit, je ne vous dirai pas où parce que je trouve que c'est gênant, mais des intermittents arrivent et expliquent que, bon... À l'église, puisqu'ils sont partageurs, ils aiment bien hein, quand même que ce soit qu'on partage à l'église. Ben, ils pourraient partager la scène quand même, hein, après tout. Puisque eux, ils ont la scène, ils ont le micro, ils ont tout, quoi. Et puis, nous, on n'a rien, alors donc on pourrait partager. Ouais, carrément. Hein, carrément. Ça serait pas mal, quoi. Benoît, tu te lances, tu nous la lis, la citation de Lepage ? Alors, sans lunettes, hein, on y va ? Ouais. Alors, Lepage, c'était quand ? C'était en mai 2009. Il dit la chose suivante, en France, quand on prononce le mot culture, chacun comprend art et plus précisément art contemporain. Le mot culture, avec son singulier et sa majuscule, suscite une religiosité appuyée sur ce nouveau sacré, l'art, essence supérieure, incarné par quelques individus eux-mêmes, touché par une grâce, les vrais artistes.
La population, elle, est invitée à contempler le mystère, entamé dès les années 1960 sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. La traduction de la culture à l'art, la réduction, pardon, de la culture à l'art représente une catastrophe intellectuelle pour tout homme et ou toute femme de progrès. Voilà, c'était Franck Lepage. Ouais, en gros, il dit, attention, culture, pas touche, il faut être un artiste pour avoir le droit d'en parler, un tatoué, etc. quoi, hein, c'est ça qu'il dit. La culture de classe. Ouais, ça, on est vraiment dans la culture de classe, là. C'est clair. Franck Lepage est intéressant de ce point de vue à citer, parce que c'est quelqu'un justement qui a travaillé dans les MJC, il a été directeur de MJC longtemps, donc il sait de quoi il cause, parce qu'il était en fait sur le terrain de ce qu'on appelle l'éducation populaire, qui a été quand même ces 30 dernières années pas mal massacré, un peu délibérément. Alors tu parles, Benoît, dans un écrit que tu as fait, qui nous a permis de faire cette émission, entre autres, sur lequel je m'appuie en tout cas pour faire cette émission, tu parles des valeurs qui sont apportées par la culture, et avant tu fais une petite citation d'un monsieur qui s'appelle Paulo Freire. Peut-être, Johan, si tu veux bien lire, je crois que ça te va bien, cette citation. Alors, Paulo Freire, donc un pédagogue brésilien, bon, qui a créé la pédagogie de l'opprimé notamment. Donc, personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Voilà. Bon, il est dit là beaucoup de choses, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est compliqué dans la culture actuelle, il me semble, c'est entre autres, presque d'un point de vue anthropologique, c'est le passage d'une société tribale à une société d'avenir où on va se retrouver à un moment donné avec le numérique, chacun tout seul dans son coin, avec personne qui nous contredira, hein, d'ailleurs. Hein, oui. Parce que tout le monde dira la même chose, oui, que nous, puisqu'on pourra sélectionner nos interlocuteurs. Oui, puis au niveau historique, c'est intéressant, tu parles de l'aspect tribal, tu as parlé de religion aussi tout à l'heure. Comment on a écrasé ces sociétés tribales, c'est la religion qui a amené ça. Et donc c'est une culture qui vient écraser toutes les autres, parce qu'elle dit, moi, c'est moi la super culture, c'est moi... Et du coup, c'est l'occasion de détruire tout le reste, et de raser toutes les mauvaises herbes pour amener... une culture et une définition de la culture, et parce que pour moi, les mots, et qu'est-ce qu'on met derrière les mots, c'est vraiment important, parce que ça peut être un outil de domination, un mot, de dire, mais c'est quoi la définition de la culture, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire, la culture ? C'est au service de quoi ? Est-ce que c'est au service de la colonisation, ou est-ce que c'est au service de la libération, de l'égalité, etc. Et dans la citation que tu as fait de Paulo Freire, hein, j'espère que je dis pas mal son nom. Voilà, on sent bien justement qu'il y a une espèce d'éducation collective. Hein, c'est-à-dire c'est tous ensemble qu'on fait culture. On fait société. Et en faisant société, c'est-à-dire en essayant de comprendre et de partager les acquis, les connaissances et tout des uns et des autres, on arrive à cet ensemble de valeurs dont parle Benoît, qui me semble très, très, très parlant, justement, sur quelles sont les valeurs de la culture. Donc, apporter pour tous l'instruction, la raison, la réflexion et tout ce qui permet de construire l'autonomie de jugement. Œuvrer pour l'émancipation individuelle et collective, comprendre le monde par un regard sur notre société, développer le lien social, expérimenter l'autogestion et la cogestion, professionnels, citoyens, usagers. Voilà, ouais, mais je trouve que là, on dit beaucoup de choses du être ensemble. Ouais. Hein. Oui, après, Benoît, toi, tu parles beaucoup du fait que depuis les années 80, tout doucement, il y a un glissement qui s'est fait. Est-ce que ça a été un glissement qui a été complètement conçu à ce moment-là, peut-être déjà avant avec Malraux, hein, puisque tu parles de Malraux dans ton écrit, et tu dis que Jacques Lang a participé à cette conception d'une culture qui est une culture de classe, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, mais peut-être que je ne comprends pas tout à fait comme il faut. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ben, c'est-à-dire que Jacques Lang, derrière Malraux, hein, parce que c'était la même politique, en fait, en quelque sorte, c'était justement ce qu'exprime Lepage, c'est le glissement progressif sur l'art, le grand art légitime, officiel, l'art contemporain, qui d'ailleurs maintenant est en bourse, hein, je veux dire, c'est des valeurs de placement financier, hein, l'art contemporain en particulier.
et non et au mépris de ce qu'est justement la culture au sens large. Donc c'est cette dérive qu'on constate d'une part, donc ça c'est un choix politique, mais pas que. Il y a aussi, pour moi, il y a aussi un autre, deux autres aspects qui sont à noter, je pense, c'est la tendance à la professionnalisation qui a été probablement légitime d'un certain point de vue, parce qu'il s'agissait de disons, de cadrer ou d'organiser un petit peu les professions culturelles, de protéger, entre autres, amener une certaine protection sociale aux artistes et aux techniciens. Donc tout ça, c'était quand même plutôt positif. Mais en échange de quoi, la professionnalisation de l'ensemble du secteur fait que aujourd'hui, ben, la culture est devenue une industrie autonome, comme une autre, finalement, qui génère des produits culturels gérés par des professionnels qui vont pratiquer une sélection, une promotion, avec toute une méthodologie, tout ce qu'on appelle la médiation culturelle aujourd'hui, toute une espèce de batterie de techniciens plus ou moins administratifs et... pas du tout des artistes, d'ailleurs, la plupart du temps, qui vont gérer cet univers culturel. Avec une enveloppe budgétaire importante, évidemment. Ah bah, ce sont des salaires, en général, des salaires qui sont payés au niveau des institutions territoriales essentiellement, donc les régions d'une part, les départements et les communes, pour l'essentiel. Donc ça provoque une première dérive, hein, donc avec une césure, une fracture au sein de la profession, entre ceux qui sont reconnus, qui vont passer à la télé ou qui vont être dans les réseaux... qui vont être un petit peu promus d'une certaine manière par les réseaux, en particulier numériques, hein, et télévisuels, et audiovisuels, et puis les autres qui vont être considérés comme des roupies de Sansonnet, c'est-à-dire des amateurs, des gens qu'on va négliger, qui n'ont pas droit à un salaire, un revenu pour vivre, etc. quoi. Surtout avec le fait que les médias télé, comme tu parles des médias télé, maintenant sont orientés, on va dire, avec une certaine parole à délivrer, hein, une parole unique, hein, on a quand même vraiment cette impression-là, donc il doit falloir montrer patte blanche pour être technicien à l'intérieur de ce genre d'organisation. Et ça parle pas mal de comment... Hitler, dans sa propagande, il a beaucoup utilisé, il a utilisé la musique pour émulsionner les foules, il a utilisé des musiques classiques, et du coup, la culture, c'est un outil. Mais au service de quoi est mis cet outil? Et pour moi, aujourd'hui, il est clairement mis au service d'instaurer une espèce de culture dominante capitaliste, productiviste, et c'est plus du tout... Enfin, la culture subventionnée, en tout cas, n'est plus du tout une culture d'émancipation, une culture populaire. Et y a comme une dépossession, en fait. Pour moi, on est tous des artistes, en fait. On est tous des artistes de notre vie, qu'on soit artiste ou carrément, pas. Il y a une vraie dépossession. De toute façon, c'est le même phénomène qui se passe, que ce soit dans l'éducation ou même dans la politique. Rien que le fait de la professionnalisation, il y a des gens qui font leur carrière là-dedans, derrière les bureaux, et qui sont totalement écartés de la réalité, en fait, du terrain. Ils gèrent des spectacles, des dossiers, comme dans un tableur Excel, et voilà. Et dans la politique, c'est pareil, et dans l'éducation aussi, la culture, elle suit le même chemin. Quand on voit que l'OCDE estime qu'il y a 40% de la population qui est trop formée, de quoi on est en droit d'attendre de la culture, quoi. Oui, d'accord. Bon, oui, moi je trouve que dans ce que tu étais en train de commencer à développer, alors comment vous faites votre place, vous, jeune, à l'intérieur de ce monde-là? Voilà. L'abnégation, je dirais. Ouais. Bah, moi, c'est vraiment ce qui m'a amené à élargir la notion de culture. En fait, ce qui m'a fait arrêter la musique de rue, c'est de dire, je faisais beaucoup de chansons engagées dans la rue. Et je me suis dit, en fait, je suis en train de dire aux gens, réveillez-vous, est-ce que je suis si réveillé que ça, moi? Et du coup, pour moi, j'étais recherché vraiment des outils, c'est ce qui m'a amené à la permaculture, qui est vraiment, c'est une méthodologie de conception. Et donc, permaculture, ça vient de culture permanente, en fait, c'est pas que agricole, c'est vraiment comment on met en place une culture durable, en fait. Une culture qui va pas s'effondrer, qui va pas être jetée, parce qu'il y a une mode qui change, mais quelque chose qui va pouvoir installer quelque chose. Pour moi, il y a vraiment, au début, pour le moment, j'en suis au stade de la réflexion et de comment j'essaye d'être en lien avec mes valeurs, parce que je pense que, enfin, moi, rapidement, j'ai fait la part des choses en me disant, mais en fait, mon objectif, c'est pas de gagner de l'argent, de m'insérer à cet endroit-là, c'est plus d'être fidèle à mon cœur, fidèle à mes valeurs. Et du coup, j'ai ce parti pris de dire, ben, je préfère vivre dans la précarité et vraiment être fidèle à ce que j'ai envie de mettre en place, quoi. Pour le moment, c'est le parti pris que j'ai fait.
Parce que bon, oser faire ce que tu as fait, parce que moi je l'ai vu, hein, j'en ai été témoin, voilà, se retrouver chanteur de rue à 20 ans, t'étais, quand tu as commencé, non? En fait, c'était une nécessité, j'étais en Amérique du Sud et Ouais. j'avais plus de thunes Ouais. et je devais passer encore un mois là-bas Ouais. et c'était une question de survie, quoi. Ouais. Non, mais après tu Mais as j'étais pas continué. tranquille, ouais. Après, tu as continué ici, parce que Oui. je t'ai vu ici le faire. Avec au départ, avec peut-être pas une formation d'ailleurs si importante que ça. Non, je me Tu suis t'es formé sur le lancé tas. Ouais. un Mais peu. j'ai l'impression que, en fait, pour moi, ça pose la question au-delà de la question culturelle. C'est par quoi je suis habité, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans ce monde? Et un endroit, c'est un truc qui me dépasse, en fait. Où je sais pas, il y a quelque chose où, devant les nécessités, devant toutes les contraintes qu'il y a, ça me fait penser à la phrase que je disais tout à l'heure, l'art né de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté. À un endroit, c'est vraiment. Je sens qu'il y a une espèce de carcan qui nous maintient en prison. Et en fait, il y a un endroit où j'ai pas envie d'être dans la survie, j'ai envie d'être dans la vie. Et du coup, il y a une prise de risque. Mais c'est bon aussi. Quelque part, c'est ça qui m'a rendu vivant à un moment. Mais la culture, c'est la création, donc c'est la prise de risque, Oui. forcément, puisqu'on va vers l'inconnu Et quelque ben, part. si on accepte, pour moi, il y a deux choses. Soit j'accepte de rentrer dans la culture. Et là, ça me parle parce qu'on parle de subvention. Donc, c'est comment l'artiste il va être soutenu ou pas. Mais il y a aussi la question de comment l'artiste accepte. Est-ce qu'il est fidèle à son cœur ou est-ce qu'il fait le truc pour le fric? Et pour moi, il y a toujours cette question. Est-ce qu'il est fidèle à son cœur ou à son portefeuille? Voilà, c'est ça. Et du coup, ça pose la question, en fait, pourquoi je fais les choses? Que ce soit en tant qu'artiste ou autre, en fait. Mais c'est quoi qui m'anime dans la vie et voilà. Et toi, Yann, tu as déjà en fait une expérience aussi importante en fait. Oui, bon, j'étais régisseur de centres culturels, j'ai monté des festivals. Et par exemple, le premier festival, hein, c'est simple, hein, c'est avec mon meilleur pote à l'époque, Osvaldo, et on a mis chacun la moitié de notre RMI. Et on a lancé notre premier festival. Après, on a réussi à avoir un peu de matos à droite à gauche parce que on donnait des coups de main à droite à gauche. Je viens du Nord-Pas-de-Calais, il y avait des jeunesses communistes, des assos, des grosses assos. Et du coup, on a eu du soutien. Et ça a toujours été comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai un local de répète, la moitié du matos qui est dedans, même les trois quarts du matos n'est pas à moi, en fait. C'est parce qu'on s'est tous dit, ben, allez, les gars, nous, on a envie de bosser. Bon, c'est la merde avec le Covid, mais on se réunit dans un lieu, on met les moyens et on est là pour travailler. Et voilà quoi. Et c'est ça aussi, parce que c'est ça qui est cool, parce que en Ardèche, il y a un petit truc où il y a des militants, des exilés, des gens qui sont là pour vivre autrement et qui mettent les moyens et qui s'investissent en fait. Et c'est ça qui est très agréable en fait dans le coin. Il y a une mouvance de gens qui, dans la culture, dans l'éducation populaire, qui bossent et qui se démerdent avec trois fois rien. Et ils te proposent un truc, tu leur proposes un truc, ils disent ouais, c'est bon, moi je viens. Les Mambous, par exemple, c'est un bel Ouais. exemple. Oui, mais bon, c'est des gens extraordinaires quand même, je trouve, les Mambous. Oui. Hein, ils sont quand même très particuliers parce qu'ils s'investissent à fond, quoi. Et puis tant pis, ils gagnent rien tel jour, ben, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'ils sont là, justement, par Oui. exemple. Ben, ça pose la question, parce que ça me fait penser aux Indiens Kogi notamment, qui m'inspirent beaucoup. C'est ils vivent une pauvreté partagée, c'est-à-dire qu'ils sont pauvres, mais ils se soutiennent. Donc en fait, ils sont riches, ils se soutiennent. Et pour moi, ça me fait penser à ça, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de subvention, mais il y a un soutien. Exactement. Et ça, c'est une autre richesse qu'on peut cultiver. On est loin du glissement vers l'animation que tu dénonces, Non, Benoît, là. mais ça me fait penser au tiers-lieu. Hein. Tout ce qui se dit là, c'est que bon, les tiers-lieux, c'est quoi? C'est des petits lieux de promotion, finalement. Hein. Des lieux où les artistes peuvent rencontrer un public, essayer des choses, faire leur premier pas, en fait, hein, leurs premières expériences, et vivre des choses assez sympas, assez proches en même temps du public. Et ces tiers-lieux sont très très mal. Aujourd'hui, sont entrés dans une situation très très compliquée parce que d'abord, on n'est pas soutenu, et donc la tendance qu'on évoquait tout à l'heure à cette dérive, hein, sur la notion de ce que c'est qu'une politique culturelle fait que c'est totalement défavorable à ces petits lieux. Donc ils ne sont plus aidés, ils ne sont pas subventionnés, la bobine n'est pas subventionnée, par exemple, très 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 peu. Enfin, je veux dire, c'est dérisoire, ça représente 2,5% du budget, un truc comme dans ce genre-là.
Alors que ce sont des charges, hein, de charges, et que ce sont des lieux qui tournent avec du bénévolat. On est tous bénévoles à la bobine, par exemple. Donc on se met des mènes. En ce moment, la bobine, on fait pas de spectacle. On est complètement en panne, donc, d'une certaine manière, sauf qu'il y a des artistes qui viennent travailler. Il y a des résidences. Alors, certains sont malheureusement touchés par le Covid. Ils sont cas contact, etc. Alors, c'est programmé, déprogrammé. C'est très compliqué en ce moment. Mais ça veut dire que même à la bobine, on essaye de faire ce qu'on peut faire. Donc, au moins accueillir dans un outil des gens pour travailler. Donc, on essaye de le faire. Et c'est pas, autant vous dire que c'est pas facile, et financièrement c'est chaud quoi. L'année 2020 est sauvée grâce à la générosité de essentiellement de nos adhérents et de nos amis, mais l'année 2021 est encore un grand point d'interrogation quoi. Oui, alors là tu abordes le côté reconstruire. Il me semble que Yann, tu as tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, tu as très très bien développé des choses sur la reconstruction. Comment on va faire après ce Covid pour Oui, ben en fait c'est ce que je me disais, en fait c'est la chose à laquelle je réfléchissais, c'est que à la fin du Covid, il y a tout un tas d'acteurs qui vont disparaître parce que soit ils auront tout simplement plus la foi, plus la capacité de le faire, je pense que les acteurs locaux, les petits acteurs, hein, il faut qu'ils se fédèrent, il faut qu'ils travaillent ensemble et après ce grand nettoyage fait par le Covid, mais ben qu'on s'impose en fait en tant que petits acteurs et qu'on mette en place des nouvelles normes en fait de rapport à la culture, de rapport à l'éducation populaire, du travail entre les artistes, les techniciens, tout ça. Il faut qu'on balaye un peu tout ce qui a été fait, qu'on refonde un peu la culture. On nous parle d'exception culturelle française. Elle est où là? On est dans le merchandising. Il y a Netflix et compagnie partout. Il y a aussi un élément sur lequel, enfin, si on veut, dans l'idée du monde d'après, hein, ce qu'il faudrait reconstruire, évidemment, pour ça, il faudrait déjà au moins sortir de la logique dramatique dans laquelle on est rentré depuis à peu près, on va dire, allez, 15-20 ans. Sur les territoires en particulier ruraux comme le nôtre, c'est la culture, élément de développement du territoire. Mmh. C'est-à-dire éléments pour être attractif, donc favoriser le tourisme, hein, en gros ça veut dire ça. Donc c'est forcément une inclinaison sur qu'est-ce que c'est que la culture. Si on veut attirer le touriste, il faut faire du divertissement, point à la ligne. Et c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans la logique qu'on décrit tout à l'heure. Donc le jour où on arrivera à rompre cette logique-là, que les élus aussi, en particulier arriveront à rompre arrêter de considérer la culture comme un élément fondamental du développement du territoire, c'est essentiellement tourisme et divertissement, on pourra peut-être à nouveau reconstruire Ce qui est grave, c'est que même l'éducation nationale, tout doucement, rentre dans cette logique-là, c'est-à-dire dans cette logique marchande. C'est ça dont tu es en train de parler. Et c'est vrai que moi, je sais que j'ai été acteur culturel dedans et dehors de l'éducation nationale, puisque j'ai été prof à l'éducation nationale, mais j'ai été aussi intervenant extérieur pour l'éducation nationale, et j'ai vu comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que on est une espèce de on est bienvenu parce qu'on est soi-disant on apporte quelque chose, mais attention, il faut qu'on l'apporte avec la conception qu'ils ont eux. Tu vois, donc on rentre dans ce que tu dénonces, Benoît, je trouve très très judicieusement, c'est-à-dire le projet. Alors il y a un espèce de projet qui fait chic-choc, qui est un petit peu comme Paris Match, le choc de la photo, hein. Alors il y a un beau titre, etc. Et puis après, le contenu, c'est pas grave, on finance le titre. Voilà, le lien social, la promotion des jeunes artistes, ce qui se passe sur un territoire de manière permanente, le lien entre les gens, l'auto-éducation, l'émancipation, tout ce qui concerne l'éducation populaire, ouais. Finalement, tout ça est totalement balayé d'un revers de main. Absolument. Au profit de choses qui sont tape à l'œil. C'est pas ça qui est important. Mais en fait, on est encore, pour moi, vraiment dans une logique, et c'est la base peut-être de notre culture, on est basé sur une culture de colons. On va coloniser. Et c'est encore ce truc d'une culture dominante qui colonise tout le reste. Et moi, ça me fait penser vraiment à la cause des peuples premiers qui me touche beaucoup. C'est des gens qui ont cherché à maintenir vivante leur culture et leur manière de voir le monde, alors qu'ils s'en prenaient plein la gueule par les narcotrafiquants, par les colons, par les religieux, etc. Et pour moi, l'enjeu, il est là. Que ce soit rentable ou pas, comment on maintient vivant ce truc qui a du sens, et pourquoi en fait on fait tout ça quoi. En fait, quelque chose qui va à côté, mais qui peut bien expliquer, c'est qu'on se retrouve avec un festival qui s'appelle Aluna, que tout le monde vante parce que c'est le festival régional. Mais en fait, ce festival, il a remplacé un festival qui était extraordinaire, qui s'appelait La Pleine Lune, qui était à Payzac, et qui était, à mon avis,
d'une autre qualité, en tout cas avec d'autres prétentions que ce que porte Aluna. Voilà. Et donc là, on avait effectivement tout ce que tu dis sur le lien, sur la construction, sur la pérennisation d'acteurs locaux qui étaient à Payzac, alors qu'à Aluna, c'est le choc des grosses vedettes qui viennent, qui n'ont rien à dire, qui sont complètement creux. Hein, quoi. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'on les engage. Mais c'est pour ça qu'on les engage. Bon, l'émission va bientôt se terminer. Est-ce que vous avez un truc fort que vous n'avez pas dit? On a quelques secondes. Non? Ben, si on veut que la culture soit sauvée aussi, il faut que le public, les gens, ils se mobilisent, en fait, qu'ils soient présents, tout simplement, qu'ils soutiennent les vrais artistes locaux, ceux qui se battent, et ça se fera. Il n'y a que la volonté globale qui... On est tous ensemble, quoi, dans cette histoire-là. Moi, je dirais, c'est une question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de cultiver, en fait? Qu'est-ce qu'on a envie de cultiver? Ouais. Bon, Benoît, un dernier mot? Oui, je crois qu'il faut, dans les mois qui viennent, le redémarrage, il va pas être simple du tout. Il sera sûrement lent et poussif. J'ai peur, enfin, ça va pas être du jour au lendemain qu'on va pouvoir se retrouver à 100 personnes dans une salle. Donc, je sais pas comment ça va se passer, mais il va falloir effectivement que les citoyens, que tout le monde soit derrière les petites structures, les petits lieux, les initiatives de droite et de gauche, et derrière les artistes et les techniciens. Si tout le monde s'y met pas, ça va être compliqué. Tous éveillés et tous ensemble. À bientôt. Ciao.